Bonsoir et bienvenue sur Pixel Barbecue TV. Alors ce soir on va se faire une petite partie de Renoir, un jeu de plateforme énigme sorti sur PC récemment. Alors vous allez voir qu'il y a quand même une sacrée gueule, il est plutôt joli visuellement. Il est traduit en français pour les sous-titres et on va incarner donc un privé, il me semble, hein, je n'ai pas vu la cinématique d'intro. Un privé mort, hein, qui va devoir réussir à passer divers énigmes pour trouver qui l'a tué. En somme, voilà, c'est un petit peu comme Soul Suspect, hein, sorti il y a quelques années. Donc ici, c'est un jeu en noir et blanc, en 2D, voilà, 2,5D, vous allez voir ça tout de suite. C'est parti. Bon, ça joue au clavier, malheureusement, j'ai pas réussi à mapper une manette. Uniquement au clavier, mais au moins, on peut mapper nos touches. A saying in the city, you're never really untouchable until you're dead. I always knew burning a candle from both ends would put me in the ground sooner or later. The thing is, I always figured being dead would be the end of my problems. It's like having a hangover you can't shake. You know something happened the night before, but you can't quite put it together. Every time you think about it, you feel like you're gonna pass out. Might as well close the case on this one. On the other hand, clearly I'm not that lucky. Bien voilà, alors j'ai remappé les touches exprès, hein, pour pouvoir avancer. Peut-être booster un petit peu le son du stream. Voilà. C'est parti, donc on va pouvoir avancer et reculer, donc, hein, bêtement. Let's get this show on the road. On peut courir. Voilà. Et alors, toute la mécanique est de pouvoir et d'esquiver la lumière, hein, qui nous tue. Mais également de posséder d'autres esprits pour pouvoir activer des mécanismes. Voilà. On esquive la lumière. Alors, petit checkpoint jaune, là, on voit. Et voilà. Alors, on a ici à droite un esprit, donc, et une lampe en plein milieu, et on ne sait pas passer parce que la lampe nous empêche de progresser. Alors, on possède l'esprit. Ce qu'on va faire, c'est entrer, et on va pouvoir posséder et faire des choses à l'esprit. C'est un petit peu comme les scripts Photoshop, hein, on va pouvoir faire quelque chose de précis à un esprit. Voilà, ici je lui ai fait couper la lampe, voilà, hop, entrer, et c'est tout. Maintenant, si j'appuie sur entrer, ben, le spectre va refaire exactement ce que je lui ai demandé de faire avant, et me libérer le passage. Et on a comme ça tout un mécanisme. Et hop, continuer. Et voilà. Still not sure what's going on here, but I'm starting to see how I can use it. What? No wings? I guess I should. Oh, crétin. Je suis passé à travers une lampe que je n'ai pas vue. Voilà. Man, dead guy can't catch a break. Alors ici on a deux interrupteurs et deux lampes. Alors on a cet interrupteur-ci qui coupe la lampe de gauche. On coupe la lampe de droite, voilà. Je vais mettre ici, appuyer sur Tab. Donc là je vais pouvoir contrôler mon spectre, hein, passer sous la lumière, que normalement il ne peut pas. C'est un truc qu'il faut bien comprendre. C'est que le spectre ne passe pas sous les lampes. Une fois qu'on lance la séquence enregistrée. Donc ici je lui demande, clac. Voilà.
C'est enregistré. Si maintenant j'appuie encore sur Enter, il va avancer, mais il s'arrêtera. Point, parce que la lampe est allumée. Ça, c'est un truc que j'ai mis un petit peu de temps à comprendre au début. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est on va relancer la séquence, sauf qu'on va couper la lampe. Voilà, bêtement. Donc, il va falloir intervenir parfois pour aider aussi le spectre à accomplir ce qu'il doit faire. Et voilà. Alors, switch. On va demander au spectre de faire grimper le truc. Voilà. Et c'est parti. On relance la séquence. Alors ici j'ai encore une lampe et deux interrupteurs. J'imagine que celui-ci. Ouais, voilà. Alors. Hop, on avance. Et voilà, c'est parti. Alors, on relance le script, on coupe la lampe. Alors, je pensais qu'il y avait un genre de durée pour l'activité du spectre, mais non, apparemment il reste en place un long moment. Alors, ici je vais avoir deux spectres. Cool. Bien, alors je vais devoir passer. J'ai pas encore fait cette énigme, donc on va chercher un peu. Alors ici ça coupe quoi? On va switcher d'un spectre à l'autre. Je ne sais rien faire avec ça. Ok, donc faut que j'arrive à couper la lampe. Jusque là, tout va bien. Great work, guys. Really pulled that one together. Guess I'm glad they didn't burn me. Probably just smell like smoke the whole night. Bien. Alors, j'imagine qu'ici il faut faire ceci. J'ai un compteur au-dessus, si ça va se mettre en route, ouais. Alors.
I always wanted to do that. Oh. C'est pas de chance. On va faire. Alors. Switch. Hop, là. Je vais faire moi c'est ça et ça. Ah, trop court. Trop court, il y a un petit problème de timing là. Mais oh putain, il est long. Il est long, j'étais pas loin pourtant, j'avais 10 secondes. C'était juste. Là, j'ai pas le choix. Hop. Où est le deuxième spectre? Ok. Alors maintenant, je vais pouvoir faire ceci. Ok. Ça gagnerait à être joué à la manette. Et voilà. Nickel. Alors on se doute qu'on va enchaîner, je pense, les spectres au fur et à mesure. Il y a déjà 3 ici maintenant. Okay. This is getting a little out of hand. Alors, ce que ça peut faire. Okay.
Voyons. J'ai commencé par celui-ci. Ça fait quoi ça encore? Ok. Ça ne marche pas. Allez, activer ça. Lui, il va activer ça. Voilà. Et le dernier, il va activer. Ça ne marche pas. Bien, pour celui-là, je sèche un peu. Je sais que je dois activer ceci pour que moi je puisse passer hein, sous les lampes, sinon ça ne marche pas. Donc il faut que un puisse passer ici et active le mécanisme rapidement même. Donc on va commencer par ça. Ok. Ensuite. Il va où ce con? Ah.
Ok. Y a pas un délai que je puisse faire quelque part? Déjà faire ça comme ça. Ou pas. Merde. Merde, merde, merde. Bon, j'ai plus qu'à crever. Mais tant pis, là, je la trouverai après, hein. Je vais continuer ce soir de toute façon. Je vais pas vous faire perdre votre temps sur ce live. C'était donc Renoir, un jeu donc d'énigmes plutôt sympathique, plutôt bien, bien joli. Hein, donc voilà, on fera sûrement une partie plus tard, dans la semaine ou pas, on verra bien, suivant la progression. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit et à bientôt sur Pixel Barbecue TV.